Salut tout le monde, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour cette 35e vidéo sur Football Manager 2011. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions bouclé la boucle en affrontant Amiens et ses Football Club. Pourquoi je dis boucler la boucle? Tout simplement puisque c'était le premier match des matchs retour, tout simplement. Voilà, Beauvais avait terminé tous les matchs allés et nous avions donc réentamé les matchs retour chez, donc en commençant par aller chez Amiens. Voilà, donc Amiens c'était cool, on a perdu 3-0 et je vous propose de se rattraper en allant affronter Créteil à la maison dans 6 jours. Maintenant on va attendre que les joueurs blessés reviennent, que les suspensions, elles se passeront après le match forcément. Hein. Donc voilà, on a Darcy qui est suspendu pour le prochain match. Thomas jouera donc à sa place. On va sûrement faire entrer donc Deçon en tant que remplaçant, ce qui paraît assez logique. Voilà, donc l'entraîneur de Cannes pourrait être viré tout simplement, à remercier, c'est façon gentille de dire licencié. Ngoma qui signe à Amiens, mais bon, ça ne concerne plus, on a déjà joué contre Amiens maintenant. Guignon, pas mal de choses qui s'y passent, un nouvel entraîneur déjà. Bon, voilà, ils n'avaient pas fait des très très bons résultats non plus. Les matchs donc de 10e tour de Coupe de France. Et donc Créteil qui joue contre Saint-Étienne. Je ne fais pas trop de soucis pour Saint-Étienne. Voilà, et des matchs de national en plus. Donc les matchs de national. Notre premier d'en avant de Guingamp a battu Rodez. Donc bon bah ça m'arrange pas trop. Colmar qui a battu Gap. Voilà, c'était des matchs contre les fins de tableau finalement. C'est tout, puisque les autres matchs ne se jouaient pas aujourd'hui. Voilà, ça a un petit peu de mal là. Voilà, l'entraîneur de Lugia, en même temps ils sont à 18 matchs sans victoire, mais on peut comprendre que il soit également viré. Saint-Étienne qui a battu Créteil 2-1, donc c'est très bien parce que ça a diminué leur morale, donc c'est parfait. Un joueur suspendu qui a le moral très bon, voilà. Pas mal de blessés chez eux quand même, faut l'avouer, des joueurs peu qualifiés, des joueurs blessés, des joueurs en prêt, bon. Voilà, hein, là je crois que je peux dire que j'ai pas mal de chances de tomber contre une équipe affaiblie finalement, donc c'est plutôt sympathique, donc des joueurs de l'équipe réserve, non, c'est bon, c'est cool, mais c'est bon, on va pas en avoir besoin. Donc on a dit que Darcy allait sortir au profit de Thomas et Deçon allait rentrer à la place de Darcy. Voilà, ça on a Deçon en tant que remplaçant au cas où. Je dis bien au cas où, mais bon a priori je me fais pas trop de soucis. Le Mac qui va revenir sous peu en forme. Donc bah c'est cool, des joueurs plutôt reposés. Donc ça c'est parfait aussi. D'autres matchs de Coupe de France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des petites équipes qui jouent? Parce que mis à part Jura Sud, il y a Pau aussi. Ouais. Il y a Moulins, Le Pontet. Ah, on a un match Le Pontet-Martigues. Donc déjà, il y a une équipe de très très bas niveau qui va continuer la compétition dans tous les cas. Ça peut être assez amusant de regarder ça. On va voir les scores, je pense, qui vont s'afficher tout de suite. Voilà, donc Le Pontet qui a battu aux prolongations, je suppose. Voilà, gagné après les prolongations contre Martigues. Moulins qui a battu Caen. Voilà, comme ça. Voilà, petit club qui a battu un club de Ligue 1, c'est logique. Donc deux petites équipes. Pau qui a perdu contre Brest. Bayonne qui a perdu contre le FC Sochaux. Voilà. Et Marseille qui a battu 1-0 Jura Sud. Gros match. Donc, voilà, je peux dire qu'il y a une surprise. Hervé Régnier, l'attaquant qui se serait blessé 6 jours. C'est une petite blessure, c'est léger, hein, ça va. Ouais, la réserve. On est 20e de la... On est dernier de la réserve, quoi. Mais enfin, c'est pas grave, on a gagné 5 matchs. Oh, on a 40 points quand même. On pourrait repasser dans les derniers, mais sans rester dernier. Sachant que le championnat de réserve, c'est pas comme si... pas comme si on s'en fichait un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on est au plus bas niveau. En tout cas, la réserve de Nantes a un très très bon niveau, apparemment. Ouais, en même temps, faut voir qui y a dedans. Voilà, des joueurs à 2 millions. 1, 2 millions, c'est cool. 2 millions 5 ici, 1 million 9. Ouais, ouais, bah c'est des joueurs quoi. Ils sont sur la liste de prêt et tout. Ils servent à rien. C'est pas mal, hein. Ils doivent pas être mauvais quoi. Ou au moins il y a un bon potentiel, ils sont un peu jeunes. Je pense voilà, c'est surtout des jeunes joueurs. Donc nous on va continuer parce que ça ne nous concerne pas. La fin des transferts se fait dans une semaine. Je m'excuse encore, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais pour le son de l'épisode 34, j'ai fait une petite erreur de logistique. J'avais oublié de monter le son de mon PC à fond. Là il était aux alentours de, je crois, il devait être à 12-14%, un truc comme ça, au lieu de 100%, ce qui fait qu'en fait bah, on entend très peu le micro et on entend beaucoup pour le coup la tour qui est à côté. Donc ça va faire un problème d'équilibrage et c'est vrai que même avec le montage au niveau du rang du son, j'ai essayé d'arranger ça au mieux, mais j'avoue que je suis assez mécontent du résultat sonore, donc c'est pas étonnant si je l'ai mis moins fort le son, puisque c'est pas si grave que ça de pas avoir le son dans le jeu, hein, c'est surtout les commentaires que je fais finalement qui créent de la vie sur la vidéo. Puisque c'est surtout un jeu à jouer seul hein, finalement, Football Manager, ou entre amis, pour discuter, se marrer, faire des matchs ensemble, mais pas plus. Donc voilà, un match difficile pour moi, j'en suis pas si sûr, parce qu'on a des équipes de niveau. Leur est légèrement plus forte que la mienne, en théorie, mais je fais des bons résultats, je suis à domicile, donc a priori il n'y a pas de problème, je pense pouvoir faire un bon résultat contre l'équipe de Créteil. Zvenka avec Cannes, je m'en fous. Voilà, très clairement. Ils font une mauvaise... Ouais, ouais, c'est sûr, une mauvaise place, mais ce sera pas une rencontre facile, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Bourgo sera le danger principal. Bah, apparemment non, parce qu'en 27 apparitions, il a mis un but. Donc non. Je me base uniquement sur des données très statistiques, mais là, 1 but sur 27 matchs, c'est pas beaucoup du tout quand même, hein. même moi Ouedraogo qui fait pas de très bons rendements actuellement, il est quand même à beaucoup plus de buts que ça, je sais pas où c'est noté mais c'est pas très important. Voilà, on s'en fiche un petit peu après tout. Ouais. Il est content, tant mieux, il est content de jouer avec Leclerc, bah, c'est cool. Ouais, Leclerc qui est quand même un très bon joueur, il n'y a pas à dire, c'est vraiment la, j'ai envie de dire la vedette de ce club orléanais, hein. C'est lui qui techniquement est au-dessus du pot. Je propose juste quand même de faire un petit tour, voir si les caractéristiques ont augmenté chez certains joueurs. Senati qui a augmenté au niveau de l'influence. C'est bien quand on est capitaine, mais bon, je crois que 10 c'est pas suffisant, hein. On en a des meilleurs que ça. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça, hein. Voilà. Darcy qui a diminué un peu de coup de tête. C'est embêtant, mais bon, il avait été blessé aussi, donc on peut comprendre qu'il ait du mal à reprendre. Eglin qui a progressé en créativité. Gianni qui a également plus d'influence qu'avant. On a... Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Je pense qu'on va vite faire le tour. Voilà, on est revenu à Senati, donc voilà. Mis à part Darcy qui a légèrement régressé. Et puis là en plus il est suspendu, donc il va pas pouvoir jouer. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des entraînements, je pense que c'est une meilleure qualité qu'avant, sans trop de problèmes. Voilà, c'est bon niveau d'entraînement. Au niveau des joueurs, il y a plusieurs entraînements, ça c'est bien aussi. Voilà, il n'y a plus de trucs à mi-temps, hein, forcément, puisque je crois que tous mes joueurs sont passés à plein temps. Là je suis pas sûr, je vais te dire une bêtise. Entraînement de gardien, général mi-temps. Non, pas du tout en fait. J'ai seulement quelques joueurs qui sont à plein temps. Voilà, j'ai Delonglé, Michelot et Darcy. Bon, c'est cool, ils progressent au moins, hein. C'est bien. Après voilà, défenseur, on a Senati, milieu de terrain, on a Leclerc, en attaquant, on a Ouedraogo et Le Fée. Après, dans les trucs d'endurance, mi-temps et gardien de but mi-temps, c'est des trucs à faire pendant les au retour de leurs vacances. Donc ça ne nous concerne pas actuellement. C'est des trucs que j'avais créés moi-même, il me semble. Sûrement d'ailleurs. Je vois pas pourquoi ce serait pas moi qui les aurais fait, puisqu'il me semble pas qu'ils existent de base. Par contre, ce serait bien que ça passe réellement la journée. C'est pas que j'en ai marre d'appuyer sur le truc en tâche de fond. Je sais pas, moi j'aime bien, ça me déstresse d'appuyer là-dessus. Donc le match arrive à grands pas. Fori, 60% de frappe cadrée. Deuxième vient de Passy avec 54%. Passy qui sont derniers. Cadre bien mais il marque pas, alors ça doit être ça. Samassa, 18 victoires avec l'avant de Guingamp quand il est sur le terrain. Mais en même temps, le AG, ils sont premiers, donc de toute façon, voilà. Basile, Levesque, Mustapha, qui sont, Mustapha Diallo, qui sont aussi en avant de Guingamp, chacun 16 victoires. Évidemment, hein, l'équipe qui est première, forcément, ceux qui font plus de victoires, donc potentiellement plus de joueurs qui font des victoires. C'est une certaine logique finalement. Là-dedans, il n'y a rien de bien nouveau. Donc on a toujours le fait un manque de temps de jeu, qui pourrait remplacer Ouedraogo, qui n'a pas de problème, lui, que c'est cool. Voilà, avec le fait qui a besoin de jouer autant qu'il en profite. Et on se retrouve tout de suite après la sauvegarde. Et me revoilà après cette courte pause, pour vous, comme pour moi d'ailleurs, avec 3 remplaçants à la sortie. En fait, pour ceux qui voudraient savoir exactement pourquoi je coupe, en fait, c'est simplement parce que ça me met, à chaque fois que je sauvegarde, je sais pas du tout pourquoi, pardon, un message d'erreur qui me dit comme quoi il reconnaît pas le disque dans le lecteur, ce qui à chaque sauvegarde. Alors, je fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème, mais ça me fait ça que sur ce PC-là. Avant, sur mon PC fixe, sur mon PC portable, pardon, j'avais aucun problème pour le faire. Alors bon, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais du coup en fait ça crée des conflits quand j'ai frappes d'allumer en même temps. En fait j'ai juste à faire un alt tab, pour sortir finalement du jeu, faire continuer, la sauvegarde s'exécute jusqu'au bout et ensuite je peux reprendre l'enregistrement fraps. Mais le problème c'est quand je fais le alt tab et tout, ça crée des incompatibilités, ça fait planter le jeu. Donc c'est pour ça que je coupe, hein, voilà. C'est pas parce que je coupe juste avant le match, il faut que je triche pour gagner des points. Pas comme ça, évidemment, je vous l'avais dit au début du jeu, même si j'avoue qu'il y a eu pas mal de réussite sur les derniers matchs, hein, on peut voir rien qu'avec le match précédent, je me suis pris une tôle 3-0 et j'ai pas eu besoin de recommencer pour le voir, hein. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pas pour tricher que je fais ça évidemment, c'est juste parce que j'ai un problème technique, hein. Avant je le faisais pas quand j'étais sur mon PC portable, rappelez-vous, je vois pas pourquoi je le ferais d'ailleurs, si j'ai la chance d'être promu, j'en serais fier. Si je dois refaire une deuxième saison, ce sera très très long et je changerai peut-être le style d'enregistrement de Football Manager. Puisque là je vais faire la première saison, très clairement, ça va prendre aux alentours de 60 épisodes au total. Si je dois faire la deuxième saison, je pense que je la ferai de façon différente. Ou alors je laisserai un peu de temps entre les deux, par exemple. Je dirais tiens, je vais couper là, et puis je vais faire une autre série entre temps, et je reprendrai ensuite la série à un autre moment sur une deuxième saison, et je garderai peut-être le même format dans ce cas là. C'est à voir, peut-être que je tournerai tout d'un coup, je vous ferai un condensé, des victoires, machin, tout, je verrai peut-être, parce que c'est vrai que c'est très très long déjà à faire une saison, alors si je dois faire 2 saisons de suite, ça peut être très compliqué. Enfin ça peut être très compliqué, ça peut être surtout très long, et c'est vrai que ça me ferait pas de mal d'avoir un peu d'air frais, et changer de jeu, de passer à un jeu peut-être plus dynamique, plus récent aussi, ouais, peut-être, parce que celui-là, voilà, c'est FM 2011, quoi. C'est pas le plus récent des Football Manager, il y a déjà le 2014 qui est sorti depuis un petit moment, voilà, il y a 3 ans de retard sur la licence, si on veut. Mais je me contente très très bien de celui-là, qui est très très cool à jouer. Voilà, donc on va pouvoir débuter ce match. Un match d'hiver, avec un peu de... pas de verglas, mais... je sais pas si c'est vraiment de la neige... Donc, on va dire avec le givre du matin, on va dire ça comme ça, le givre du matin, et là je crois qu'on peut se permettre de courir normalement pour ce match. J'ai pas pensé regarder leur tactique, grave erreur de ma part, grave erreur, analyse, non, vue classique non plus, partage d'écran, je sais plus où c'est, statistiques, stade du match, cette équipe, stade visiteur, Orléans, non, rapport assistant non plus, information, formation, voilà, information des formations, il joue exactement comme les autres. D'accord, j'ai regardé ce que je voulais faire, c'est pas grave, vue TV, hop, on va refaire les consignes, du coup on va passer par le milieu, comme j'avais fait au match précédent finalement, même si ça m'avait pas réussi, j'espère cette fois-ci qu'on pourra faire mieux. Balle pour Senati, Michelot, Thomas, Leclerc qui se fait tacler, mais Michelot à la récupération qui dégage ce ballon pour Le Fée, la course avec Rémi, Le Fée qui perd son ballon devant le gardien. Heureusement, Rémi en face nous offre un très beau corner. Dommage, hein. Le Fée qui s'est un peu précipité, qui a eu une difficulté de contrôle du ballon en tout début de match, hein, moins d'une minute de jeu et c'était déjà serré. Ah, on peut voir un dégagement de l'autre côté. Le Postolec qui avance, Bourgo qui est gêné, qui tente une frappe de loin. C'était compliqué, hein, c'était très compliqué en tout cas, des actions offensives de chaque côté dès le début du match. Voilà un match prometteur. Voilà, je vous rappelle qu'on joue toujours à domicile. Donc Renault au dégagement, ça part loin devant, c'est récupéré en face par le Postolec. Rémi, Goliard pour Rémi, le Postolec, Goliard, Lafia, le Postolec, Goliard, ça joue à 3 en triangle, ça dégage loin devant pour le Sage et Senati au duel, le Sage qui tente une frappe lointaine qui n'était pas cadrée. 8ème minute, corner de Mahon, Leclerc qui dégage de la tête, Michelot à la récupération, Michelot qui dégage devant pour Le Fée. Le Fée tout seul mais sur les ailes, est-ce qu'il aura un partenaire pour être aidé? Il vient chercher en retrait pour Denga, Denga pour Delonglet qui tente la frappe de loin, c'est un peu à côté. Dommage, c'était bien tenté pour le milieu défensif. Touche de Denga pour Fofana, ça repart pour Denga. Ça joue au centre avec Delonglet qui joue pour Fofana. Fofana qui s'avance, balle pour Le Fée. Le Fée qui vient tenter la frappe, c'est au-dessus. Beaucoup d'initiatives orléanaises. Malheureusement, ça ne se concrétise pas. Eglin à la balle qui joue pour Fofana. Fofana qui arrive à se démarquer, qui se fait tacler par derrière. Un tacle anti-jeu presque assassin, ça mérite au moins le carton jaune, si ce n'est le rouge. Voilà, au moins un carton jaune. Avec un coup franc idéalement placé normalement pour Eglin. Voilà. Eglin qui vient tenter et dommage, elle était bien placée, peut-être sur le poteau, c'est pas sûr. Mais Trivino qui vient repousser cette balle en corner. Corner à suivre donc sûrement pour Thomas, puisque Thomas est en jeu, c'est en général lui qui les tire. Voilà, Thomas, ça part devant pour Senati qui frôle la transversale avec cette tête. C'est dommage, c'était bien joué. C'était bien joué. Apparemment un joueur qui se serait légèrement blessé. Rien de méchant, on ira voir ça dans un peu de temps. Voilà, on va aller voir tout de suite même. C'est Delonglet qui a pris un petit coup. Bon, c'est léger, hein, c'est une blessure légère. Vraiment, ça ne s'écrit pas quand on le met. Enfin, il n'y a pas de changement à effectuer. Il va peut-être juste être un peu moins performant, Delonglet. C'est pas grave. Hein. Un joueur par contre qui se serait blessé sur tacle. Il va falloir que je retourne voir ça encore une fois, c'est pas grave. Le Fée qui avance, il est gêné mais il passe pas, il va le conserver. Eglin qui balance une balle magique pour Fofana. Et ça rejoue. Alors j'ai pas eu le temps de voir qui était blessé, mais en tout cas on jouait à moins 1 sur cette action. Je vais voir ça. Je vais aller voir ça. Parce que non, on va le voir tout de suite au niveau physique. Ah, ce serait Leclerc qui aurait pris un coup. Enfin, à en voir les statistiques, ce serait Leclerc. Trivino au dégagement. Delonglet, récupération avec peut-être Le Fée, bon, bah, non, avec Mahon, mais Mahon arrive à passer devant, balle récupérée donc par Trivino. Aït Bayi qui joue pour son gardien, Trivino pour Aït Bayi, ça repart devant pour Dubo. Lafia, Bourgo devant pour le Sage qui tente la frappe, c'est au-dessus. Beaucoup de tentatives hein, des deux côtés, mais pas de réalisation réelle. Renault au dégagement pour Le Fée, ça récupéré par Michelot, Leclerc, Eglin. Eglin qui part devant, il n'est pas gêné, hop, il a poussé sur le côté. Rémi qui se jette pour sauver la balle, mais récupéré par Fofana. Leclerc qui vient tenter la frappe et c'est légèrement à côté. Aucune concrétisation de chaque côté sur un match, sur une farandole de tir, avec donc des gardiens à l'œuvre. Trivino dégagement en balle pour Michelot, Eglin, ça repart de l'autre côté pour Mahon, Maoto pour Mahon. Mahon qui tente la touche avec Eglin mais ça ne passe pas, balle pour Maoto qui centre Delonglet à la réception, le Postolec, Lafia, le Postolec, Lafia, Baifa pardon, et corner, voilà. Corner donc pour Créteil. Cette 34e minute, hein, ça peut basculer à tout moment, ce match est extrêmement tendu, et il reste beaucoup de temps. Mahon, si on voit ce corner beaucoup trop long, il n'est pas touché, touche orléanaise de l'autre côté. Corner de Leclerc, c'est repoussé, balle pour Le Fée, attention, ça continue, Le Fée qui s'avance seul, Il est taclé, balle récupérée miraculeusement par Fofana et Trivino qui s'interpose sur cette balle. Eglin au coup franc. Ça repart dans la défense. Récupéré par Denga. Fofana qui se fait tacler, mais balle pour Leclerc. De nouveau taclé, mais récupéré par Thomas. L'offensive continue. Thomas qui avance, qui vient centrer. Et c'est pour Aït Bayi qui la renvoie. Fofana à la balle qui tente un nouveau centre. Et Eglin qui met la tête au-dessus du cadre. Beaucoup d'occasions qui sont vendangées sur ce match. De l'onglet à la balle, Leclerc. Leclerc devant pour et le Fée qui frappe et qui obtient un corner. Nouveau corner à suivre pour Orléans en cette 42e minute. Un match offensif mais vraiment qui ne se concrétise pas. Ça doit être à cause du givre au sol. Leclerc. C'est repoussé, balle de nouveau pour Leclerc. Leclerc qui se fait tacler, Goliard qui expédie ce ballon dans les tribunes. Nouvelle touche à suivre. Non, on a un corner de l'autre côté pour Thomas qui est joué court pour Fofana. Fofana qui joue derrière pour Thomas. Thomas qui vient centrer, c'est repoussé. Tête de Leclerc pour Thomas. Thomas qui vient prendre une reprise de volée en pleine transversale rentrante. Son premier but et sûrement un des plus beaux buts de cette saison. On va pouvoir le revoir au ralenti. Magnifique, cette reprise de volée qui vient se fracasser sur la transversale. C'est repoussé par Rémi. Leclerc qui la joue de la tête pour Thomas. La balle est en l'air. Il reprend de volée. Thomas qui la reprend de volée. Elle vient tromper la transversale. Et elle vient s'encastrer dans les filets de Trivino. Une balle magnifiquement jouée en tout cas. Là, Thomas qui vient de nous sortir le but de l'année. Je crois pas en avoir eu de plus beau. Depuis bien longtemps. On n'a pas de note de mi-temps, je comprends pas pourquoi, c'est pas grave. En tout cas, là, très belle action. Là on va pouvoir reprendre donc, mais ouais, quelque chose d'assez magnifique, faut l'avouer. 60e minute, Eglin à la touche, c'est repoussé derrière, mais balle pour Senati, Leclerc pour Gianni qui tente la frappe, c'est au-dessus. Je pourrais changer de tactique de jeu effectivement en allant plutôt défensif. Mais j'essaierai quand même de marquer un deuxième but, ça pourrait être pratique. Marquez pour Dubo. Dubo, ça centre le Postolec, mais Renault récupère cette balle plutôt simple à récupérer. 70e minute, coup franc de Mahon. On va voir s'il y a peut-être des changements à effectuer. On a un Le Fée, mais qui est légèrement fatigué. Mais bon, comme il a besoin de jouer, on le remplacera au prochain match. C'est pas un problème. De l'onglet qui va avoir besoin de récupérer, je pense, avec Ligoul. Voilà, on peut se permettre de faire des remplacements, donc autant en profiter. Voilà, on va faire sortir de l'onglet. C'est un coup franc de Mahon, donc sur le mur qui repousse donc en corner. Corner à suivre pour Créteil, 73e minute. Donc corner effectué par Mahon, a priori. Voilà, Mahon. Sur ce corner qui peut encore tout faire basculer, c'est bien joué, mais Denga s'interpose. Balle pour Marquez, à la récupération derrière. Quand une frappe s'est repoussée par la défense, Aït Bayi. Laifa, ça joue devant pour le Sage qui vient poser une balle à côté du but. C'est dommage, hein, il y avait occasion d'égaliser pour eux. Voilà, Nolonglet qui sort, qui est remplacé par Ligoul. Espérons que Ligoul fasse un beau match, enfin une belle fin de match en tout cas. Thomas pour Le Fée. Le Fée qui vient au centre pour Gianni, Ligoul, ça repart de l'autre côté pour Fofana peut-être l'accélération, non, si, il préfère déborder, ça centre, à terre, c'est dommage, c'est repoussé, Marquez devant, Marquez qui est gêné, voilà, ça part pour Gignan, attention avec Michelot, Bourgo qui vient égaliser en cette 88e minute, Créteil qui vient donc avec Bourgo sur une contre-attaque, plutôt osé, voilà, on peut voir ça. C'est imprononçable aussi. Michelot qui manque son interception et Bourgo qui arrive à se démarquer et récupérer cette balle perdue pour les mettre dans le filet de Renault. Voilà, coup de sifflet final. En tout cas, bon, bah, voilà, un petit peu déçu du coup qu'ils aient marqué sur cette fin de match. En tout cas, où est-ce qu'il est mon buteur Thomas. Grégory Thomas, voilà, il a fait en tout cas un excellent match. Je vais lui dire parce que son but nous a permis en tout cas d'obtenir une égalisation, enfin un match nul. avec donc un petit point bien sympathique à récupérer. Donc voilà, on est heureux et c'est cool, parce que là, très bon Thomas avec son but. Voilà, on va mettre continuer. On va donc continuer et sauvegarder un peu après derrière. Voilà, donc avec un bon match nul, oui et non, parce que j'aurais pu le gagner ce match. Voilà, c'est dommage que Bourgo vienne marquer. C'était un bon moment pour marquer, ça gêne toujours. Grégory Thomas, c'était une frappe magnifique, sans aucun problème. Oui, c'est bien, c'est cool. Bah oui, ça a été dur, ouais. Un peu mal, mais bon, c'était un bon match, mis à part que c'était pas très précis. Ça reste un bon match et un résultat tout à fait prenable. Voilà, c'est un résultat qui me satisfait en tout cas grandement, même si j'aurais préféré une petite victoire, il faut l'avouer quand même, ça m'aurait fait plaisir. Thomas, voilà, qui était là en tant que remplaçant, qui a été homme du match, voilà, donc il a de quoi être fier. Mais il va retourner, malheureusement pour lui, sur le banc des remplaçants, voilà, pour un Darcy qui est normalement le plus compétent. Mais en tout cas, voilà, il a beaucoup apporté sur son match, le petit Grégory Thomas. On va noter quand même les moyennes de chacun des joueurs. Le meilleur pour le moment, c'est Le Fée. Le Fée avec une très bonne moyenne de 7,53. On peut quand même noter que sur ces 7,53, il doit y avoir aussi un match, au moins un match de Coupe de France assez simple, où il avait mis pas mal de buts. Voilà, après on a Fofana qui est plutôt constant. Bon, à Thomas, du coup, en étant du match, a remonté sa moyenne plutôt pas mal. Ça l'a beaucoup augmenté. J'allais dire drastiquement, peut-être pas quand même, mais ça l'a bien augmenté. Guillaume Eglin aussi, oui, voilà, okay, bon joueur. Babiagui, il est rentré quand il est rentré, quoi. Donc, c'est pas pour le peu qu'il a servi qu'on peut réellement considérer ses notes. Voilà, un Michelot aussi qui est constant dans son travail. Voilà, on peut noter quand même que en moyenne, même Darcy qui a la plus faible des notes, donc loin derrière Thomas pour le coup, reste tout de même tout à fait acceptable, hein. C'est juste que c'est un défenseur donc il marque forcément moins de buts, pareil pour les gardiens. C'est plus dur d'avoir une note acceptable pour un gardien. Voilà, donc on va repasser en effectif, on va se remettre en mode sélection, on va retourner sur l'écran d'accueil et on va pouvoir donc se dire à bientôt pour un prochain épisode de Football Manager 2011. Allez, bye tout le monde!